Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Elle est très très cool cette musique, c'est incroyable. Est-ce que vous allez bien? Bonsoir. Coucou, cacao. Ok, c'est bon, je suis pas saturé. Est-ce que ça va bien? Coucou, bonsoir. Eh, vous avez vu? 21h pile. Je sais toujours pas réglé la. Voilà, je suis bien là. 21h pile, mon gars. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous allez bien, les copains? C'est marrant parce que cette musique, ça vient pas du tout d'un western en plus. Cette musique, ça vient pas du tout d'un jeu western, ça vient d'un jeu qui se passe dans l'espace. Ça va? Bon, bah tant mieux, je suis content. Faut que je vous raconte un truc. Aujourd'hui, je discutais avec quelqu'un. Ouais, même moi, ça m'étonne. Non, bref. Non, je discutais juste, je sais plus de quoi je parlais. Je parlais avec quelqu'un qui regardait mes streams, mais qui était un peu en lurk, tu vois, donc discret, tu vois. Qui est là, mais qui parle pas, tu vois. Et cette personne m'a soutenu plein de choses, m'a fait vraiment, vraiment beaucoup trop de compliments. En mode, ah, c'est trop drôle, machin, c'est dingue, si t'es là, je te fais un gros bisou. M'a fait plein de compliments en mode, ah, tes streams, ils sont vraiment cool, ça fait vraiment passer un bon mood et tout et tout. Et franchement, ça me touche. Enfin, vraiment, faut que je vous en parle, mais vous êtes beaucoup à me faire ce genre de compliments. Il faut quand même que je vous le dise, que ça me fait. Enfin, que c'est vraiment les meilleurs compliments que vous pouvez me faire, quoi. Et tous ceux qui me disent, c'est ce que je l'ai déjà entendu, hein, ça va faire ultra. Comment on dit? Ça va faire ultra. Pas égocentrique, mais genre. Mec qui se la pète un peu, vous êtes beaucoup à me dire ouais, tu mérites de percer, machin. Je veux juste, même si je pense que ça n'arrivera jamais, je tiens juste à vous dire que vous êtes des amours. Voilà. J'avais envie de commencer sur un bon mood. On est bien. Bonsoir. Ça fait 2 minutes que ça a commencé et c'est déjà émouvant. Voilà, ça va être bien. Attendez, je règle tout mon setup du coup. Tac, ça dégage. Mais même si ça n'arrivera probablement jamais. Enfin. J'ai pas trop entre guillemets, d'espoir, tu vois, mais merci à tous de me faire ce genre de compliments, c'est vraiment le. C'est de l'amour. Alors attendez, je voulais faire un truc, je suis dégoûté que ça a pas marché, attendez. Je vais remettre celui-là, est-ce qu'il y a un fond avec ça? On va remettre en chunky alors, du coup. Parce que j'aimerais bien mettre un chat. Vas-y, voir ton UU s'il arrive sur le chat. Non, il arrive pas sur le chat, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais juste avoir un fond, parce que c'est vrai qu'on voit pas de ouf. Attendez. Couleur de l'arrière-plan. Pourquoi j'ai pas d'arrière-plan? Bon, je sais pas. Il a viré mon message d'amour. Je suis désolé, Sinistra. Non mais il veut pas mettre de fond. Bon, c'est pas grave, attendez, j'ai juste augmenté la taille des messages. En fait, je voulais, pendant l'intro, j'ai essayé de voir si je pouvais ajouter ma police d'écriture perso que j'ai téléchargée. Mais je peux pas. Enfin, j'ai pas trouvé en tout cas. Non, je sais pas. C'est pas grave. Bon, du coup, racontez-moi, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Je veux savoir si vous allez bien, si vous avez passé une bonne journée. Dites-moi tout. Je vous écoute, c'est votre moment. Faisons un petit peu de just chatting. Je vous écoute et dites-moi tout. Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Moi, j'ai encore fait du bûcheronnage. Non, j'ai pas fait du bûcheronnage, j'ai fait de la tondeuse. C'est différent. J'ai quand même mis des coups de hache à un arbre pour essayer de le couper, mais c'était pas une hache en super bonne qualité, donc je me suis juste niqué les mains. Mais c'était sympa. On a bientôt fini de réparer les conneries de la tempête, donc c'était bien. Enfin, c'était bien. J'aurais aimé ne jamais avoir à le faire. Passer à la trappe, telle une boule de poussière négligemment poussée avec un vulgaire balai. De quoi tu parles, Sinistra? Je prépare mon retour Twitch. Ah! Monsieur va stream. J'ai oublié le nom du jeu. Allô? Allô Infinite? Allô Infini? Infinite? C'est Infinite ou Infini? Infinite. Je suis très actuel sur les jeux vidéo, comme vous pouvez le voir. Mon message d'amour. Ah, mais non, dis pas des choses comme ça. Eh putain, vous avez vu le texte là-bas, là-bas? Il s'arrête pile en dessous de région. On est vraiment sur un niveau de professionnalisme. Moi, c'est même pas fait exprès.
C'est même pas fait exprès. Et pas que. Ah bah j'ai hâte de voir ça, Hades. Oh, excusez-moi, je suis désolé. Du coup, je vais vous faire confiance pour, comme d'habitude, vous me connaissez à force, me dire au niveau du son, comment ça marche, comment ça va, tout ça. Attendez, tac. Attendez, je teste juste un truc. Non, ok, c'est bon. Salut Oriane, salut Sinistra, salut Oriane, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit bonjour, rebonjour à Sinistra, bah rebonjour Sinistra. bonjour Oriane, bonjour, on t'aime Ludor, oh, adorable, adorable. Non mais bref, je voulais juste vous dire ça au début du stream, vous les gens qui me faites des compliments sur mes streams, qui me dites, ouais, tu mérites de percer machin, je tiens juste à vous dire que vous êtes vraiment ma motivation principale, hein, qu'on soit d'accord. Comme je disais, même si ça n'arrivera jamais, vous êtes, enfin, je peux pas rêver mieux en fait, comme compliment. Voilà, donc merci à tous, je vous aime. Et, bah j'ai écouté, vous savez quoi, c'est parti pour... J'ai rien préparé, c'est parti pour... Attendez, j'ai raté mon truc là. Non, on va parler encore un petit peu le temps que ça se lance. Imaginez, il y a une mise à jour. Je sais qu'il y a une mise à jour Nvidia. J'espère que ça va pas me flinguer mes perfs. Sinon, on la fera en stream, écoute, hein, pas de soucis. Ouais, voilà, tout ça pour dire merci à ceux qui me font de la pub, merci à ceux qui parlent de moi, merci, je vous aide des crèmes, voilà. J'avais envie de commencer un peu sur de la bonne humeur. Merde. Donc, voilà. Allez, s'il te plaît, lance-toi. S'il te plaît, lance-toi. Allez. Le jeu, s'il te plaît, lance-toi. Il est long, RDR, il est chiant. Gros cul. Allez, gros cul. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis à jour le compteur de follow là-bas, tout en haut à gauche. Droite. Tout là-bas, là. C'est la droite de là-bas, de là. Oh là. Un problème avec les gros culs ? Bah non, j'en suis un, donc il n'y a pas de souci, hein. Hop, allez, on va couper ça. Chutac. Attendez, vous voyez pas le jeu, c'est normal. Vous inquiétez pas, c'est normal. Vous inquiétez pas, c'est normal. On va passer au jeu. Et tac! Merde, non, pas tac, attendez. On va passer au jeu et tac! Parfait. Eh, on est bien là, non? C'est trop calme. Attendez, faut que je baisse un... On va tenir un compteur de tout ou mort. Alors ça, plutôt mourir que de faire ça, Sinistra. Je préfère mourir que de m'humilier tout seul. Bon, attendez, je vais vous monter le son, bougez pas. Que le son du jeu est pas forcément ultra fort, je crois. Ah si, il est à fond. Ok, j'ai rien dit. Mais le son du jeu est très très bas en général, donc... Alors, vous voulez que je vous fasse une confidence? Je me souviens absolument pas on en était à où dans le jeu. Qu'on soit d'accord. J'ai zéro souvenir. Voilà, on va faire avec ce qu'on peut. Ça devrait me revenir assez vite. Bon, alors le son, je sais pas comment je vais faire pour faire un truc bien, parce que RDR, je sais que le son, il est vraiment éclaté. Je vais vous monter ça, tac, tac. Bon, je vais vous faire confiance pour me dire au niveau du son quand on sera en jeu. Enfin voilà, en tout cas, je voulais juste commencer le stream dans de la bonne humeur en vous remerciant. De me faire autant de compliments, vraiment, je vous adore. Vous êtes vraiment une petite communauté, mais une petite communauté dont je suis très fier, donc merci à tous. Vous êtes des amours. Et si un jour je perds, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous oublier. Hein. Alors. Oh, ça a l'air bien, en vrai, le son, là. Attends, fais-moi, on va faire un test. La 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 la. Je vais baisser même le son, d'ailleurs. On a la commu qu'on mérite. Allez, j'accepte celle-là, Sinistra, je l'accepte. Catman, je vais les nettoyer, tiens, pour bien commencer la soirée. Non mais voilà, bref, je voulais vous le dire ça au début, merci beaucoup, je vous aime, voilà. On va parler d'autre chose, sinon on va pas faire des messages d'amour, on n'est pas là pour uniquement s'aimer. Parce que vous aimez bien me vanner, hein, quand même. Soyons honnêtes. Même si je c'est de l'amour vache, bien sûr. Mais quand même. Hein, madame la mouette. Non, je sais pas le faire. Oui, c'est vrai qu'on avait une quête secondaire à faire ici. C'était Monsieur Black et Monsieur White.
Il fallait arracher leurs avis de recherche. Je sais pas s'ils ont encore spawn. Attends, on va parler à lui là. Ah non, pas lui, elle est chiante cette. Bon, allez, si voilà. Pour se réveiller, on va faire une petite quête là. Allez hop. Pourquoi je peux pas le voir? Voilà. Bonjour. You okay there, mister? You need me to move. Move? I am. I'm sitting in the wrong place. Excuse me? I didn't mean any offense, sir. Please. I don't get your meaning. I'm very sorry, sir. You have yourself. C'est tu vas, il va te faire peur, Hades, hein. Oh, mais le pauvre, il fait trop de la peine, on dirait moi à m'excuser toutes les 5 minutes. But I had no idea how I offended the last fellas, and they stole my wagon on account of my impudence. Stole your wagon for back check? Du coup, le son, ça va? Confirmez-moi, s'il vous plaît. I was helping folk. And that wasn't popular. I was undercutting the competition. Or I was too colored. La mouette de chargement de grosse attaque. Putain, c'est incroyable ce clip, Sinistra. Tu charges vraiment ton attaque en faisant. C'est incroyable. Ça a l'air good, ça marche. N'hésitez pas à me dire. So they undercut me. That ain't very nice. That was my impression. Still, compared to the gutting. Castration, defenestration, and crucifixion they offered me. Il est trop stylé, mon Arthur. Imaginative bunch. Yes. But no great love of my medical practice. Too free with my wisdom and services. Which way they go? Down the road, that away. Stay here. Je vais te la ramener, toi. C'est vrai. Please don't go to any trouble on my... Oh, il est trop mignon. Vas-y, il est trop gentil, ce mec. Ça m'énerve, les gens gentils qui se font bully comme ça. Eh ben, on va aller à Allez, c'est parti, on y va. J'avais oublié que mon cheval, il avait une tresse au cul. Si je puis dire. Bon, sinon, racontez-moi, qu'est-ce que vous faites de beau, là? Est-ce que vous êtes en train de jouer en me regardant? À quoi vous jouez? Zitoun. Ouais, Zitoun. Attends, t'as oublié quelque chose d'important, Zinistra. Zitoun. UU. Oh là là, quel cringe. Je me déteste. Vous me faites faire des choses. Attends, je sais pas, je vais vendre mes saloperies, tiens. Du Back 4 Blood. Ah, nice. Faudrait que j'y joue un jour. Oh la vache! Peut-être juste vendre les objets de valeur. Oh la vache! Oh, je me suis refait là! Bon, j'étais déjà riche, hein, mais là je suis encore plus là. Oh putain, comment ça m'avait manqué de jouer à ce jeu avec vous, les gars, vous pouvez pas savoir, je crois. Je joue pas, juste je regarde. Ah, et ben écoute, je t'invite à apprécier ce stream, Sinistra. Installe-toi confortablement, fais une papouille à ton chien, si il va bien, et bois un verre d'eau. Ah. Et n'hésite pas à faire de la pub. Je rigole, je déconne, calmez-vous. On va dire que je force après. Je reçois des messages, mais je regarderai plus tard, mais... C'est important ou pas? Non, ça n'a pas l'air important. Je vais retourner coiffer mon cheval parce que là j'aime pas sa queue. J'ai 4 ans, hein, j'ai 4 ans et demi. J'ai vraiment 4 ans et demi. D'ailleurs n'oubliez pas, demain à 21h on fait donc Batman Arkham City, on continue pour essayer de le finir et passer à Arkham Knight. Vendredi on continue Metro Exodus. J'ai vraiment envie d'essayer de le finir assez vite Exodus pour qu'on passe à autre chose. Ce qui prend vraiment 80 gigas sur mon PC, ça me gonfle. Parce que je peux jouer à rien du tout. Pas rien d'autre en fait. Et je crois qu'Arkham Knight il fait 80 gigas, donc il va falloir que j'en vire un gros pour pouvoir y jouer. Et samedi les gars. Samedi. À 20h, vous avez intérêt d'être là. Parce que samedi à 20h, c'est le stream d'Halloween. Et c'est Alien Isolation. Et je vais me chier dessus, donc je vous invite vraiment à être là. Voilà.
Et samedi, croyez-moi, vous allez me voir me chier dessus. Parce que je connais pas grand chose du jeu, mais ce que je sais, c'est qu'il fait peur. Hop. Pourquoi j'ai pas mon... J'avais pris un fusil Evan, gros con. Vous savez ce qu'il va falloir que j'achète aussi ? Un tapis de souris. Parce qu'en fait, je pense que c'est parce que j'ai pas de tapis de souris que je suis aussi mauvais à tirer. Si je puis dire. J'essaie de chercher une excuse au fait que je tire mal. Tu parles, elle squatte le canapé. Les papas en l'air, la langue sortie. Oh, trop mignon. Prends une petite photo et mets-la dans l'animalerie. Parce que j'aime bien les animaux. Comme vous avez pu le constater d'ailleurs. Pour ceux qui m'ont sur Instagram, le lien est dans la description de la chaîne là en bas. J'ai partagé dans ma story un compte d'un chien. Enfin, d'un chien. Et putain, qu'est-ce qu'il est beau ce petit chien, ça m'énerve. Je vous invite à aller voir, c'est Staff Nala, The Staff Nala, le nom du compte. C'est un chien, c'est un envoyé de Jésus sur Terre. Hein. C'est joie, joie que ça, moi. C'est une envoyée de Jésus sur Terre, hein. Moi je vois que ça. Hein. Bref, voilà. Oh, il est trop bien son docteur, son chariot. Oh putain. Non, attention mon cheval. Allez hop, suis-moi. Oh, il est trop bien son chariot. Et d'ailleurs, oui, je ferai GTA Remastered. Enfin, GTA, la trilogie Definitive Edition, là, je la ferai, bien sûr. Parce que je les ai jamais fait, donc ça me... Enfin, à part Vice City, donc ça me fera une occasion de les refaire. Voilà. God damn, boy! Oh, merde. I want to number 9. A number 9 lodge. To number 45. Hop, hop. Oh là 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 là, mais... Je suis tellement bon, mais je me dégoûte, en fait. Comment ça me saoule moi-même. Dégage. Ça, dégage, la route est à moi. Merde. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais buté mes chevaux. C'est pas ma faute, il m'a attaqué. Il a sorti une arme, légitime défense. Hein. Légitime... Il va bien le cheval sinistre, t'inquiète pas, il va bien. Il va très très bien, je jure. J'ai rien vu, rien entendu, monsieur le commissaire, je jure. Sur la tête de ma mère. Je veux dire que t'es ravi de savoir que je mange dans la cuisine et que mes parents prennent plaisir à entendre ton stream. Eh ben je suis... J'ai encore enculé un cheval. Oh merde. Oh merde. Bonjour aux parents d'Oriane, je vous fais un... Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que ça vous plaît, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à follow et à partager autour de vous. Oui, j'ai tué un cheval, oui, effectivement. Et bon appétit, Oriane, également. Ouais, alors j'ai peut-être tué les chevaux, mais en fait, c'est fait exprès. Comme ça, le cheval, il respawn, en fait. Vu que les chevaux, ils sont immortels, en fait. C'est des envoyés de Jésus, ça aussi, hein. Quoique, en vrai, un jour je vais faire une tier list des animaux, je vous jure. Ce serait pas con, ça, en vrai. Un stream un peu événement, je fais une tier list des animaux. Oh, c'est pas con, ça. Oh, je vais garder. Attendez, je vais noter. Attendez, je note l'idée sur mon tableau. Hop. Faire tier list des animaux. Déjà, je sais que je mets les chats en dernier. Parfait. Ah, oh, c'est pas con, ça, la tier list des animaux. Faire une tier list des catcheurs aussi. Truc, il y a que moi qui ai une tier list des westerns. Ah. J'ai plein d'idées. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. Je te dis bonsoir. C'est vrai qu'on est le soir, effectivement. Bonsoir.
Pardonnez-moi, vu que je vis dans le noir. Ça va. Ils vont bien. Ils vont bien. Eh, ça se conduit comme un 36 tonnes, hein, son chariot, lui. Hein. Excusez-moi, les chevaux derrière, tournez. Attention! Oh putain! Oh, il a failli y avoir une catastrophe! C'est Euro Truck Simulator, un peu, ouais! Putain, ça me manque, Euro Truck! Connard de DMCA sur Twitch, là, ça me casse les couilles! Putain! Genre, qu'est-ce que je kiffais jouer à Euro Truck, mais avec les strikes et tout, je peux même plus, quoi, ça me casse les couilles! Parce que maintenant, je peux me faire strike en plein stream! Vous savez quoi? Si pour un jour avoir la tier list, qu'on fasse un live tier list ultra polémique, ce sera le jour où on atteindra les 500 follow. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On fera ce live aux 500 follow. Voilà. On fera une tier list des religions aussi. Ça va être marrant. Ça. Ah, ben non, merde, c'est un goal de JDG pour Z Event. On fera une tier list des partis politiques. Ça va être bien ça. Tier list des tier list des tueurs en série des mass murderers, comment on appelle ça, des tueurs de masse. C'est pas drôle, pourquoi je rigole? Pourquoi je rigole, moi? C'est pas drôle. Je suis désolé. Oh, parfait. Donc voilà, faut arracher les affiches de ceux-là. Hop. De Monsieur Black et Monsieur White. Qui sont comme leur nom lundi. J'ai fait. Pourquoi tu me vises? Tu vas avoir des problèmes. Je cherche les. C'est lequel qui me menace là? Ah, il est en haut, j'arrive. Oh putain! Attendez, je me fais tabasser, je me fais agresser. Attention madame, merci. Faut arrêter de m'agresser là. Mais arrêtez! Et bref, voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour avoir ce stream de tier list des animaux. Bonjour! Quoi? Quoi? J'ai rien fait! La vie de ma mère, j'ai rien fait! Je te jure, c'était pas moi! Mon cheval, il est trop loin! J'ai pas envie de payer 159 balles! Aïe 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 aïe. T'as enlevé des affiches du poste du PCF? C'est quoi PCF? Le poste feu faux de feu. C'est quoi PCF? Presse ce front. Ça ferait un bon nom de parti politique ça. Le Parti Communiste, le PCF. Ah putain, un Parti Communiste français, ok. Oh la vache, je l'avais pas celui-là. Il sera dans ma tier list celui-là. je déconne. Hein. Je ferai jamais une tier list sur la politique parce que je connais pas, donc. C'est pas un sujet que je maîtrise, donc je déconne. Hein. Mais pour la tier list des animaux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il vous reste à partager. Et à... J'ai pété un truc, attendez, voilà. Et il vous reste à partager. Et également à... Ce que les gens follow. Les raids de bot ne comptent pas. Bien sûr, parce que Hades est là, Hades get et Hades ban. Hades ban. Ça serait le nom de mon groupe de black metal, ça. Hades ban, tu vois. En un mot, hein. Mon cheval? Je suis en train de me taper toute la faune et la flore, là. Mon cheval, il peut me rejoindre ou pas? Il dit où ce con? Il est loin. Ça va être chaud d'esquiver les forces de police avec les pieds. Bonjour mesdames, bonjour, bonjour. Ah désolé, je vous l'emprunte. Ah merde, y'a pas de cheval. Je vais faire une référence à Astérix et Obélix Mission Cléopâtre.
Ah désolé, je vous l'emprunte. Votre cheval est trop loin pour vous entendre siffler. Sans déconner. Mec, ça fait 5 minutes que mon perso il siffle en boucle. En plus, il fait beau, donc c'est super de courir sous la pluie, en fait. On fait un petit jogging, là. Il y a personne que je peux piquer son cheval. En plus, j'en ai trop marre, mec. Oh, si, là-bas, il y a des trucs. Il y a des chevaux ou pas dans votre saloperie, là? Ça, tu vois, dans ma théorie des animaux, c'est pour ça que je dis que les chevaux, c'est de la merde, en fait. Je peux monter là-dessus, là? Comment ça, tu es? Alors, ah, les jeux vidéo. C'est sympa les jeux vidéo, hein, moi j'aime bien. Vous connaissez Pong? Ils ont pas de chevaux. Je crie, ils ont pas de chevaux, j'ai envie de me foutre en l'air. Putain, mon perso, il est au bord de la crise d'épuisement, quoi. De la crise d'épuisement? Comment on dit? Ça se dit pas crise d'épuisement. De la crise de nerf. De la panne d'épuisement. Non, pas de la panne. De la... La merde, la mort d'épuisement. Putain, Ludo, un magnifique taureau, t'as pas honte. Mais j'ai pas fait exprès. J'étais curieux de l'animation. Aïe! Oh, mais putain, c'est vrai que c'est le moment pour une embuscade, hein. Bon, attends, ils ont pas des chevaux. Ah! Et ben voilà. Bouge pas, petit pipou. Je vais mourir. Je vais mourir. Au secours, au secours, au secours. Merci. Attends. Doucement. Le cheval attend, moi. Oui, oui, easy, easy. T'as failli prendre pour tout le monde, Zitoun. Fais attention. Attends, j'ai juste un truc à faire. Bouge pas, j'ai un truc à faire. Juste, ça va être très rapide. Non, attends, il est où mon fusil à double canon? Il est là. Monsieur, je suis désolé, je vous l'emprunte. Voilà. Il a pris pour tout le monde, hein, vous m'en voulez pas. Alors, donc, la Sinistra, elle est actuellement en train d'appeler la PETA. Qu'est-ce qu'il nous faut qu'on fasse? On est où, là? Tiens, on va faire cette quête pour Magnifico. Sinistra est actuellement en train d'appeler les flics. Elle a même pas envie de m'engueuler, je crois. Ou alors, elle est en train d'écrire un message qui va faire environ 16 bornes. En m'insultant mes grands morts, en donnant mon en liquant mon adresse sur JVC, en... Je vais appeler ta pote, sponsorisée par elle. Comment ça, ma pote sponsorisée par L214? Quelle pote? Que j'ai peur d'elle. J'ai pas compris de qui tu parlais, Sinistra. Je comprends pas. C'est quoi la scène là? Je comprends pas. Je sais son nom. Tu sais pas son nom plutôt, non? Tu parles de qui? Je comprends pas. J'ai pas d'amis qui travaillent à.
qui est avec L214, j'ai pas compris. Ah, tu parles de l'autre connasse qui était passée sur TPMP. Mais non, mais même elle, elle est pas affiliée à L214. Poupie, Pouni. De quoi? Ah, Poons! Mais Poon! Non, Poupoun! Poupoun, c'est son surnom. Ah, Poons! Mais elle est pas L214, elle! Elle aime juste les animaux, c'est pas pareil! Poons, L214. Avec la viande qu'elle se mange quand on est en IRL, putain! Attends, il y a du feu, je vais aller voir ce qui se passe. Poupoun! Putain, j'ai 391 de dégâts, quoi. De scène. De. Dommage. De prime. Hey, Poons, oui, c'est ça, oui. Bonjour! Sont gentils, eux, ça va. Je veux dire que tu massacres des chevaux. Il y a même un qui me tase, mais c'est pas grave. Au moins, c'est marrant, quoi. Son taser à 16 000 volts là. Ouais, vas-y. Je viens de voir la photo de ton chien, Sinistra, ça m'a fumé de rire. Écoutez, deux plantes d'alécépide dans les environs. Dasley... truc. Je connais pas cette langue. La langue de la science, ce n'est pas la mienne. Moi, il n'y a que Jésus. Je sais pas. En plus, c'est pas vrai, je m'y connais bien en science. Sans vouloir me la péter. Elle dort tout le temps comme ça, c'est trop mignon. On dirait le chien de Marfouin. Qui dort d'une façon assez conne. Qui dort toujours la gueule contre les murs, en fait. C'est où ? J'ai l'impression d'être Fort Boyard, mec, j'arrête pas de courir. Elle monte son bidou à la terre entière. Coquine. Alors, j'espère qu'elle a un tramp stamp. C'est dégueulasse. Ah, c'est des blagues zoophiles, tu vois, c'est moins drôle par contre. Ils se sont foutus de ma gueule ou... Y'a rien dans les environs, hein, bande de cons. Hein. Ah, j'ai vu des plantes. C'est pas des plantes, c'est des biches. Ça va, Sinistra? C'est marrant, avant de me faire, j'ai compris que t'écrivais déjà ton message. Je l'ai appelé Poupoun. Ouais, mais c'est pour manger, donc c'est pas ma faute. Ça doit être ça. Cueillir et examiner. Fais pas ça. J'en ai marre. Je veux me tuer, c'est pas ça. Vous les voyez, vous? Oh, ça m'énerve, la récolte dans ce jeu, c'est vraiment éclaté. Ah! Serait-ce ça? Absolument pas. Impeccable. J'en ai marre. Je les ai pas déjà sur moi. J'ai vérifié quand même au cas où. Ce serait con que j'en ai déjà sur moi, quoi. Imagine, je les ai déjà sur moi. Bon, ok. Je les ai pas sur moi. You know that, right? God damn, bro. Putain, d'ailleurs, j'ai vu sur Reddit
le doubleur d'Arthur, il est vraiment... Ça a l'air d'être un mec absolument adorable. Il envoie souvent des trucs sur Cameo, du coup. Cameo, c'est un truc pour payer pour avoir un message d'une de tes célébrités, tu vois. Et vous savez, c'est là le même où Thibaut InShape, il fait « Dame N-word !» je crois que c'est Cameo. Et ouais, du coup, le doubleur d'Arthur, il fait souvent des caméos. Et ce mec a l'air vraiment mais d'être trop gentil. Enfin, ça a l'air d'être un amour, ce mec. Ah, je les ai. Cueillir et examiner. Je suis sûr que c'est ça, il n'y en a que deux. Cueillir et examiner, je suis sûr qu'il n'y en a que deux, voilà. Ah, Aslépiade. Parfait, allez, on y va. Mais j'adore vraiment de ouf sa voix. Je trouve vraiment c'est l'accent western typique, je trouve. Quelque chose de typique. Mais c'est pas mon cheval, ça. Mais c'est pas mon... Merde, c'était pas mon cheval. Quel con, j'avais pas mon cheval. Merde, pardon, je voulais emprunter. Bah oui, bah vas-y. Ah. Typical Texan. Non, pas forcément Texan, je dirais plus Californie, tu vois. Bon, c'est à côté, tu me... Non, je dirais pas Texan, je dirais Californien, tu vois, mais... Mais Californien de la campagne, quoi. Abilene, master. Oh, moi, Abilene, master. Non, je sais pas faire son accent, mais il est compliqué à faire, en vrai. Oui, c'est à côté, d'accord. Merci. On se souvient de GeoGuessr, hein, on se souvient. Le monde n'est pas prêt. Ils sont trop gentils, eux, je trouve. Hop. Bon, ça au feu, merde ratée. Je suis pas chien. Comment ça? C'est quoi cette expression, je suis pas chien? Ah, thank you, master. Oh. Oh. 20 balles. 25, j'étais presque. And good luck, bro. I wish you good luck with your thing, like, yeah, bro. Je m'en vais, c'est bon, calme-toi. On est arrivé, bon, cinématique. On est arrivé, donc, cinématique. Oh! Moustache Gaul. Même physique, Gaul, d'ailleurs, c'est pareil que moi. Hein. 1m12. Moins d'un mètre, d'ailleurs. I share the money with her, and you know that thing. No, stay away. You've made love to her, haven't you? No, that's not She's it. She's a succubus. Stay away from me. Allez, c'est parti. On court après un nain. Ta 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 ta. Littéralement Fort Boyard là. Faut courir après passeport en tout pour aller à la prochaine épreuve. Merde, il est où? Non, c'est pas ça, la musique. Vous savez que je vais faire une connerie là, non? Vous savez que je vais faire une connerie. Eh hey merde, y'a un truc à faire, attendez. Mec, j'ai vraiment 4 ans et demi, quoi. Ça rend trop bien, en plus.
Mais c'est pas ça la version que je connais. Ah si, voilà. Ah si, c'est bon. On y était, attends. Je la remets du coup. Ça se trouve, je vais me faire strike à cause de ça. Bon, allez. Attends, est-ce que je vais me faire strike? Non, ça a l'air d'aller. Y'a pas l'air d'avoir de copyright pour ça. Putain, c'est quoi? Oh! Oh, c'est dégueu comme course. Putain, mec, y'a une version 1 heure. Oh, je la garde, tiens, ça peut servir. Allez. Il est passé où, le nain? J'ai vraiment 4 ans, je suis désolé, hein. On est marre de toi. Je suis ravi que ça te plaise, en tout cas. Moi, ça me fait rire. Ça se trouve, je vais me faire strike, mais au moins, ça valait le coup. Il est où, ce con? Merde! Bah. Bah, il est où cet abruti? Attendez, je vais bouffer un truc parce que là, Arthur, il va claquer là, voilà. Je sais qu'il est dans un arbre, mais je sais plus lequel. Ah! Fait chaud! La vache, j'ai chaud! Avoue, j'étais drôle, Sinistra! Oh putain, c'est reparti là! Oh putain, c'est reparti! Attends! J'ai vraiment 4 ans, putain! Allez, vite! Ah, c'est fini. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé de vous infliger ça. Oh, calme-toi. Big Fanny tells it, you spent all of our takings on a case of the French pox. Maybe I did. So what? What you need a stub of a showman for? Méchance passe partout. Clac. Oui, c'est des blagues sur l'unanisme, mais moi ça me fait rire. Je suis pas grand, donc j'ai le droit de... You sold me out. You should watch your mouth. You don't need me. You're better off without me. Even you, dummy. Go on, clear off. Aim for the top, all of you. I'm out of food and I'm out of... Ne fais pas des blagues sur la course, s'il te plaît, monsieur le nain. More than a mouthful. You robbed me. You robbed your brother. So you are gonna be pulling rabbits out of your ass until you are as old as you are tiny. Put him up. Oh, c'est vieux, c'est méchant ça. We ain't friends. We're family, as much as it pains me to say it. Family. Still after everything? Of course, you silly little man. Ils sont trop bien, eux. And him? Met him at the bar, agreed to help. Ah, sleeping rough don't suit me much. I know. Come to mama. Oh, I did miss you. Oh. No, don't you ever run off on us like that again. Back together. Back together. Il est trop mignon à gauche. Enfin, le grand. Thanks to you. Même s'il a une tête un peu bizarre. Thanks for nothing, dummy. No get in the back. We ought to give you a piece of the gate on our next show. You earned it. Huh? We'll be playing Saint Denis next. Check with the box office. Oh, de ouf! Oh, venez, on va voir. Oh, je veux voir, moi. Half man and half wit.
Oh, petit lapin. Attends, vas-y, viens, on va voir de ouf le spectacle. Bon, bah voilà. Je garde la musique de Flamboyard au cas où. On va encore faire une quête annexe, tiens. J'ai envie de faire des quêtes annexes aujourd'hui. Pour se remettre dans le bain un petit peu. Bon, c'était marrant quand même, ma blague avec la musique de Fort Boyard, non? Attends, je... Hop. En vrai, la musique est bien quand même, non? Si t'arrives, pourquoi il fait un 3-6, lui? En vrai, la musique, elle est bien. La musique de Fort Boyard, elle est bien par rapport à ce que c'est devenu aujourd'hui, Fort Boyard. Oh, la phrase de boomer. C'était mieux avant, Fort Boyard, de toute façon. Hein. Aïe. J'ai eu un petit crash, j'espère que ça va. Le stream est toujours bon, là? J'ai eu un petit crash. Non, c'est bon, ça marche? Non, ça marche, ok. Non, j'ai eu un petit... un petit crash. Qu'est-ce que tu fais, cheval? Il est con ou quoi, Zitoun? Zitoun Ubu, en fait. Oh putain, ils ont de la chance. Non! Putain, mais... Voilà. Mec, c'est une catastrophe! Je me suis gouré de tout, j'en ai marre! C'était qui ça? C'est des pierres de Lemon, Lemoine. Ouais, des racistes, quoi, en fait. C'est plus ou moins des sudistes, hein, les pierres de Lemon. Hein. Aïe, ah oui, c'est con, hein, ils en ont tué un, hein, je suis désolé. Hein. Désolé, monsieur. Ah, du coup, hein, vous avez pas besoin de ça. Hein. Ça, c'est horrible. Oh, la vache. Oh, t'as mangé un peu, toi, non? Comment ça, action... Et Zitoun qui me chie dessus. Comment ça, action négative, je l'ai aidé? Parce qu'il est mort, dans tous les cas, donc ça va servir à rien. C'est pas ce que je voulais faire. Elle est où, la route? Elle est là. Je pense que je vais me faire strike à cause de la musique, mais c'est pas grave, ça valait le coup. Qu'est-ce que... Mais c'est pas moi qui ai conduit pourtant. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oula, mauvaise arme. Pardon. Ça, c'était pas normal, là. Bonjour. Encore un point d'interrogation? Putain, mais il y a que ça dans ce pays. On va aller faire la mission du français, déjà. Et on verra après. Dégage! On va aller voir Charles Châtenay. Enfin, Charles, je sais plus comment, il s'appelait pas Châtenay. Je me souviens plus de son nom. J'adore ce bruit. Je pense que j'ai déjà eu dans les autres streams. Mais le bruit... Ah mais non, c'est un gros con, lui. Le bruit des sabots sur la pierre comme ça, je trouve que c'est un bruit absolument ultra satisfaisant, vous trouvez pas? Écoute, écoute. Bon, là, c'est de la terre, donc ça marche pas, mais... Charles Châtenay. Qu'est-ce qu'il fait, ce... Châtenay, c'est bon. Oh, il est bon, un peu. Eh, bonjour, je te pécho un peu, toi. Hein. Bonjour, ma petite dame. C'est encore plus satisfaisant quand t'es sur le dos du cheval. Ouais, ça doit faire mal au cul, mais ouais. Seule fois où j'ai fait du cheval, j'ai failli me claquer, donc non. Et sans exagération, j'ai failli claquer. I go to Saint-Denis. They say that is not far enough. It seems to me that they were right.
J'adore son accent. Je me suis fait bouffer par une saloperie, je sais pas ce que vous pouvez voir là, le rouge là. Ah, ça gratte sa mère. Oh, l'accent. Bah oui, c'est un français lui, Charles. Charles le français, Charles Châtenay, monsieur qui baise dans tous les sens. I can hardly breathe in this city. Yeah, I kind of know what you mean. I thought I would find my way in a country founded by Puritans. I'll never know. J'adore ce personnage, c'est un gros enculé, mais je l'adore. I shot on the bar. Quick, behind here. Aïe. Il me fait trop rire, ce con. Quick. Oui, bah ta gueule, quick, quick, comme la marque, hein, d'ailleurs. Alors, j'ai fait une connerie, j'ai dégainé, je peux plus rengainer. Charles, je peux plus rengainer. Charles, je peux plus rengainer, Charles. Ah, il y a un problème là. Gros cuve. Oh, c'est bon, je peux rengainer. Attends, je vais faire plus stylé. Attends, je le refais parce que c'est trop beau. Putain! Voilà. On va se faire péter la gueule là, non? Oh. Oh la chance. Allez, gros pain dans la gueule. Ça y est, c'est le début d'une grande histoire d'amour. C'est le début d'une grande histoire d'amour. En fait, Arthur va partir avec lui. Et Red Dead Redemption 3, en fait, ça se passera... là. Je pense que ce personnage n'était pas censé faire ça. J'adore GTA. Rockstar, pardon. Ouais, en fait, Red Dead Redemption 3, en fait, ça se passera à Paris. Et... Mais ouais, en fait, l'histoire, ça se passera à Paris. Et on suivra l'histoire d'amour entre Arthur et Charles. Et ils inspireront des générations futures en menant la révolution. Je suis éclaté, mec. Je suis vraiment déchiré, je crois. Mec, on dirait moi dans ma ville. Oh putain, je connais tout le monde. Oh, la tartine! Dégage. Pourquoi tout le monde le reluque comme ça? Parce que c'est une femme à barbe, certes. Mec, oh le pauvre, tout le monde qui se retourne, quoi, on dirait une meuf dans Paris, quoi. C'est horrible. Enfin, dans n'importe quelle ville, d'ailleurs. Hein. ARTE. Mais qu'est-ce que c'est que cette scène? C'est long, non? Juste pour un mec qui se fait draguer de partout. Attendez, excusez-moi, j'ai juste une petite notification, faut juste que je check ça. Je verrai. Non, c'est juste pour voir si c'est important, excusez-moi là. Et ce n'est pas important, il va falloir que je désactive les notifications de ce Discord parce que ça me gonfle. Voilà, je suis pas sur le bon Discord. Voilà. Excusez-moi, je suis de retour. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Je suis content que vous soyez là. Je suis content d'être là. Ça m'avait manqué de streamer RDR2. Vraiment un jeu incroyable. We will get to know each other well. Harbor Master, port de Saint-Denis.
Oh le bâtard! Oh l'enculé quoi! Putain, ils m'ont attaqué les enculés! Oh, vous allez regretter mon gars! Allez, viens! Couché! Aïe! Oh, par derrière, ça le lâche! Allez, viens, 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 viens! Ouh! Putain, il a une arme! Non mais, non mais... Mec, il m'attaque avec un couteau, t'as cru quoi, toi? Vas-y, viens, 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 viens! Allez, viens! Oh putain! Tiens, ta gueule! Non! J'ai failli tomber! Il va y avoir un accident là. C'était pas très viril comme cri que j'ai fait, je suis assez d'accord. Oh hey, regarde, il est bon un peu quand même. Hein. Franchement, je le pécho de ouf. Hein. Mec, regarde, Arthur, c'est vraiment un bourreau en fait. Crime signalé? Pourquoi? Oh, j'en ai marre, ce pays de con. Mon stream, c'était retour au pays de la liberté. Bah finalement, c'était une connerie. Hein. Oh, bébé. T'es mal esquive. T'es mal à taille du rat. C'était une connerie, ça, non? Je crois que c'était une connerie. Hein. Je vais me noyer, là. Je vais claquer là d'ailleurs. T'es mal à la taille du... Au secours. Je vais mourir, je vais claquer. Au secours, au secours, au secours. Vite bois. Vite, vite, je vais claquer. Je vais canner, je vais canner. Grimpe. Mange un truc. Voilà. Bah ouais, mais moi, vous me forcez, là. J'ai pas le choix, mesdames et messieurs. Hein. J'ai pris 30 kilos à manger 15 barres au chocolat, là. Allez, hop, on se casse. Hop, esquive. Aïe. Ah, mais... Putain, Arthur. Allez. Aïe, 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 aïe. Cours, 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 y dire, cours, y dire. Je vais récupérer des colis. Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est pas trop le moment. Désolé. Je suis désolé, messieurs, dames, j'ai pas le choix là. Je suis désolé. Oh le plan, mec, j'adore. Vite. Non, Zitoun. Zitoun. Non, c'est bon. Reviens. Attends. Non. D'où tu tires sur mon cheval, toi? Oh, le bâtard, quoi. Non! Reviens! Reviens! Mais je vais t'éclater, reviens. Vite, on se casse, on se casse! On se tire! Pardon! J'ai failli le shooter, mais c'est bon, je l'ai pas fait. Allez, vite, 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 on s'en va, on s'en va, on s'en va! Oh, putain, la catastrophe! Vraiment un enfer, ici, hein. Pays de merde, population de cons, et police à cab. À cab. Police de Saint-Denis, petite bite. Eh, vous puez la merde, hein. Bande de gros losers. Quand... Oh, oh là 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 là, mais putain, mais appelez-moi Gotaga en fait. Vous pouvez me foutre la paix s'il vous plaît. Non, toi tu veux me faire, toi tu me fais chier toi.
C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas celui-là que je voulais lui donner, je voulais lui donner ça. Voilà. Vite, on se casse. Je suis désolé, Sinistra, je suis désolé. J'ai pas le choix. Je suis désolé, Sinistra. J'ai été obligé, j'espère que tu comprends. Mais vous allez me foutre la paix? Tu pouvais tuer le flic? Bah non, ma prime elle aurait été encore plus chère. Et sans chevaux, ils peuvent pas me rattraper. Bah oui, bah, je suis désolé, c'est la vraie vie. Hein. C'est pas un jeu vidéo, hein, c'est la vraie vie. Hein. J'ai pas tué le cheval, t'as mal vu. C'était le... Putain, la musique est trop bien. Oh, des coyotes. Oh, des collins. Est-ce que vous avez la référence... Oh, des collins. Elle est bresson un peu et c'est vraiment un passage, genre c'est 0,1 seconde dans un film et c'est même pas une blague. Hein. Oh, des collins. Je vous fais la scène. Hein. D'ici, il est fort fort lointain, mon marais. Bon, là, ça va, je pense que je vous ai dit c'était quoi, là. On a dit, vu d'ici, il est fort fort lointain, mon marais. J'ai une mission pour Sadie, ou alors j'ai... Bah, c'est tout. J'ai plus de mission, là. Bon, bah, écoute, allons-y. On va rentrer à la base. C'est une connerie. Il va bien. Regarde, il va bien. Oh, il va bien. Mais oui, t'es un gros cheval, toi. Il va bien, il va bien. Pas de soucis, il va bien. Y'a pas des crocos dans ce lac? Non, 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 non. Il y avait des crocos et pas des crocodiles pas loin. Ah, les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles. Aigle qui vole, tiens, allons-y. Ah, mais oui, c'est vrai, on avait rencontré les Indiens. C'est vrai, j'ai oublié. Bah, non, du coup, on va quand même commencer par Sadie parce qu'elle est à côté. Comme ça, on va au camp. Et on peut se ravitailler en munitions, santé, etc. Donc, on va faire ça. Eh, vous avez vu, je suis quelqu'un de super bon en jeu vidéo, non? C'est tombé d'un coup la nuit. Enfin, ouais, c'est la pluie, quoi. Mais, ouais, non, je suis assez bon en jeu vidéo, je trouve, moi. Je suis méthodique. J'ai jamais de soucis. Il m'arrive jamais des merdes. Il m'arrive jamais de merde. C'est même pas drôle de me regarder, parce qu'en fait, tout se passe tellement bien, en fait, que... Je comprends, hein, que ce soit chiant à regarder des fois mes streams, parce que, bah, il se passe rien, en fait. Je suis pas drôle, parce que... Je suis tellement bon, en fait, que... Voilà, bref. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, d'accord. Putain, costaud. Hein. Pardon, ça me fait rire. Il fait beau en tout cas. Hein. Pardon. Vous savez quoi? Bon appétit. Les bonbons Lucky, c'est le meilleur truc. Hein. Hashtag placement de produit, mais c'est pas grave. Ou je suis même pas payé en plus. J'ai claqué un lièvre. C'est moi. C'est quoi ça? Oh, vol de bétail. On va dormir déjà. Oh putain, vol de bétail en vrai. On va dormir. En espérant qu'il soit encore disponible demain. Dans le jeu, bien sûr. Il va me parler, lui.
okay? Hey, Arthur. Pas que je passe trop près d'elle, sinon elle va activer sa mission. Ok, c'est bon. Allez, oh là là, je suis fatigué. Oh, j'ai eu une longue et éprouvante journée. Pourquoi t'es en slip, Marston? Il va pisser, là. Qu'est-ce que... Hey. Hello, Arthur. M'a fait peur, Jack. Hop, allez, bonne nuit. Je dormure. J'ai dit, je dormure jusqu'à midi. Allez. Attends, je reprends un moment. En plus, j'ai un aft, donc ça pique. Ah, oh, j'adore. Gros mazo. C'était pas un PS, c'était moi qui fermais ma bouteille. Hein. Je pourrais préciser quand même. Mes munitions, c'est où? C'est là. J'ai tout qui est plein? Ah ouais? Bon bah tout est plein, parfait. Examiner. Oh, je m'en fous de ça. Bon, en tout cas, j'espère que ce stream vous plaît, les copains. Je sais que c'est un truc que je répète très souvent, ça, mais c'est mine de rien, c'est important pour moi, que ça vous plaise. Mais je pense que si vous restez, c'est pas par pitié, je pense que c'est parce que ça vous plaît. Voilà. Oh ! Bon, ça réapparaît peut-être la nuit prochaine, du coup. Le truc de l'oncle. Faudra qu'on aille au spectacle pour voir le truc de Magnifico et de son frère, là. On va aller manger un peu de ragoût. Putain, je l'ai vu arriver, mec. Je l'ai vu arriver, j'ai vu qu'elle allait me casser les couilles. Fous-moi la paix. J'ai vu, elle m'a vu, je l'ai vu arriver en mode déterminé sur ma gueule. J'espère que ça vous fait pas de bruit quand je mange. Normalement, j'ai setup mon micro pour pas que ça s'entende quand je fais des trucs comme ça. J'ai piqué les friandises. Bon, allez. Du coup, on va... je me suis coincé. On va aller faire la mission de Madame Adler. Eh, ça dit quelle heure il est, Adler. J'ai pas de l'heure. Oh là là. Been quite a journey since since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. My lord above. Yeah. Seems so. Oh merde, ma moustache elle a repoussé. Ma barbe a repoussé, j'ai plus ma moustache, merde. I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise mayor's house. If he can do it, anyone can. You get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on, we need to talk. Mrs. Adler, will you excuse us? When are you gonna let me? Désolé pour les bruits. My lord, a few more like her, we could take over the whole world. Few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes. Ça c'est pas faux. Now, the trolley bus station. Oh la vache, le daron quoi. C'est là qu'il manque la moustache, tu vois. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Well, you leave the planning to me. You'll ride with me. Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make him change. Very funny. What is that? Oh, merde! What the hell have they done to me? Look, there, the tree line. Oh merde, j'avais oublié qu'il mourrait maintenant, lui. Bon,
Et bah, Kieran est mort. Ça va chier. Oh putain, c'est con, j'avais fait un perfect jusque là. Oh la vache! J'arrive. Allez, vite, vite, vite. Ça va chier, mon gars. Eh, n'empêche, c'est une bonne place pour fortifier hein, la maison, je trouve. Hein. Faut juste pas qu'il la crame, en fait. Hein. Oh là 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 mec, mais comment je suis un killer. Dommage. Putain la vache! Au secours! Oh la vache! Oh mon gars, c'est trop bien comme mission. Je me suis coincé. Non, c'est bon. Je peux pas fermer la porte avant, peut-être? Ah si, ok, voilà. Oula! Il s'est passé un truc bizarre avec le flingue de Dutch. Oh la vache! Oh, ce sniper, mon gars! Bon ça va, vous aimez bien les combats? Oh merde. Adler. Enfin, Sadie. Oh putain, je les enculés. Comment tu touches Sadie et je te défonce tes mères, t'es mort toi. Je te torture. Jusqu'à la fin de mes... Oh la vache. Oh la vache, la tueuse en série quoi. Oh la vache, mais elle est trop bien. Je le répète hein, mais Sadie, meilleur personnage hein. Oh, je suis trop bon. Elle est tellement badass, ah, j'adore Sadie moi, c'est mon personnage préféré. Après moi, bien sûr, parce que je suis mon personnage préféré, en fait. Oh putain, j'en ai pris une dans la gueule. Elle a perdu son chapeau. Oh la vache! Comment c'est trop stylé, mec, cette scène! Dave, fall back! Oh, je vais claquer là, non? Oh, c'est pas passé loin, dis donc! Oh, j'en ai mis un sans le viseur, mec! Poor kid. Mr. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the box. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. On va encore se relocaliser. Driscoll, that man can really hate. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving.
away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. On arrive bientôt au passage préféré de Hades, là. We got work. Shall we? Yep. Hein, Hades? Ah ouais, ça va vous prendre peut-être quelques jours à tout nettoyer, là. He saved my life and I could not save his. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by power. Dommage qu'on peut pas te sauver, Kyrian. J'aime bien ce personnage. J'aimais beaucoup Kyrian. That's what love has done to her, I guess. Eh ben putain. Ce bordel, mon gars. Bon. Déjà, on va remonter à l'étage pour que je me rase la barbe et je garde ma moustache, bien sûr. Et ensuite, du coup, on va aller faire la mission de aigle blanc. Enfin, de blanc aigle ou je peux quoi, là. Oh, Arthur, I can't believe those pigs did that to him. Arrête de me suivre. Au secours. Elle me harcèle. Je me fais suivre dans la rue. Non, c'est bon. Ouais, en tout cas, cette mission était vraiment très cool. Hein. J'adore les trucs de défense comme ça. En plus, les mecs, ils étaient habillés comme dans un Tarantino, comme dans... Comment je me rase? Merde, je peux pas me raser ici? Merde, je peux me raser où? Ah, c'est dehors, je pense. Merde. Bon, bah, excusez-moi, je suis monté pour rien. J'ai un cheveu... Attendez. J'avais un cheveu dans ma bouche. C'est probablement pas le mien, en plus, parce que, bah... Voilà, quoi. Où est-ce que je peux me raser? Merde, je me souviens plus où est-ce que je peux me raser ici. Attendez, je cherche le tonneau. Ah, il est là. C'est pas ça. Le tonneau avec de l'eau. Et le miroir. Le tonneau avec de l'eau et le miroir. Ouais bah je peux pas me raser. Bah c'est pas grave, écoute, tant pis. J'aurai de la moustache. De toute façon, faut que j'aille... C'est qui ça? Albert Manso... Tiens, on va aller voir lui. On va aller voir lui. Mais avant, du coup, on va faire un petit saut au barbier. C'est un mec des... Non, j'allais faire une blague sur Corbier, mais c'est pas drôle du coup. Et y'a que moi qui vais avoir la blague, donc... Sans ma barbe, quelle barbe... Y'a des gens qui connaissent ça ou pas, ce que je viens de chanter, là? Sans ma barbe, quelle barbe... Je suis comme un chien sans puce, nanana, et nous sommes la barbe... Je pense qu'il y a que moi qui me souviens de cette musique. Et c'est même pas mon époque, c'est ça qui est incroyable. Je connais pas du tout. Bah cherche Corbier ou Cordier, Corbier ou Cordier, sans ma barbe sur YouTube, tu vas comprendre tout de suite. C'était le Club Dorothée. C'était pendant le Club Dorothée. C'était le barbu, justement. Comme son nom l'indique. Qui ressemblait à Bob Ross d'ailleurs, je trouve. Un Bob Ross un peu plus maigre. Et nous sommes la barbe. Quelle barbe. Je sais, monsieur l'autruche. Oh. Oh. Trop aimable, monsieur Banane. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Installe-toi confortablement. Cette fois-ci, tu n'es pas là à la fin du stream, donc pour toi, je bois un grand verre d'eau. Enfin, une petite gorgée plutôt, parce que j'ai pas envie de claquer, mais. Et j'ai pas envie de me pisser dessus d'ailleurs. Sans ma barbe, quelle barbe. Je suis comme un chien sans puce. Bonjour, c'est Mélance. Ah oh, putain, fais chier, j'ai dans la tête. Fait que j'ai encore les Sinistra, j'ai encore la musique de Fort Boyard à côté que je peux lancer à tout moment. Si jamais il y a une scène où faut courir. Faudra que je fasse, je verrai sur la rediff si ça me la strike le passage. Parce que sinon c'est un gouffre qui pourrait revenir ça, si ça marche.
où la billetterie? Vaudeville. Tiens, on va voir ça. On va aller à la moustache là, on va se raser et ensuite on va aller là-bas. Et je vais m'habiller en classe d'ailleurs pour ça. Regarde, écoute ce bruit. Oh, ce bruit de sabot sur la pierre, c'est... Oh. Pierre, présent, tu es online? Absolument pas. Absolument pas, je suis en solo, là, on continue le solo. Oh là 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 là, mais... Oh, quel homme, je le baisse, quoi. Oh là là, mais... Regarde-moi ce... Oh putain, regarde-moi ce Charles Bronson. Faudrait que je me remette des films de Bronson, tiens, ça fait longtemps. Il y en a plein sur Prime, en plus, je crois. Alors, j'ai une tenue un peu classe, je crois. On va aller voir le spectacle. C'est pas celle-là. Le online, j'y joue... banane, le online, j'y... Parfait. Le online, j'y joue en tout seul de mon côté, des fois. En plus, demain, il y a le pass Halloween, donc je vais certainement y jouer de mon côté. Parce que, bah, je suis un pigeon, hein. Du coup, ça aurait fait Hitler. Non. Je vais pas faire une moustache. Comment ça s'appelle? En peigne? Non, je sais plus comment ça s'appelle la moustache, les deux points là. Alors, voyons voir. Bonjour. Hey, the performers asked me to come see them here. Help them out with something up in Van Horn. All right, I'll let them know you're in. Curtain's just about to come up, so. Allez, c'est parti, vous êtes prêts ou pas pour le petit spectacle? Moi, je suis chaud. Hein. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement. Bah, sois tout seul, hein, parce que je suis un putain d'antisocial. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Pardon. Allez, c'est parti. Installez-vous confortablement au fond de votre siège. Yes, thank you, thank you, thank you. Thank you. Welcome. Welcome, everyone. I am your host, Aldridge T. Abington. Thank you. Yes. C'est parti. Few men... have had a career more crowded with incident and various intercourse with the world than I. During extensive travel through this and foreign lands, I have procured a show so fantastical, there exists nothing like it. Anywhere. In an effort to bring this entertainment to even the poorest dreamer of dreams, I have determined the ticket price should be very low, and the show held without a profit. To me, it's true. For it is blessing enough to bring these gifted artists to you. I met these odd fellows in a tavern in some godforsaken place. Pardon. Entertaining cretins. Dommage, on peut pas applaudir. Quite a capricious bunch, presenting Miss Marjorie and her medical miracles. Pour l'instant, c'est nul. Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf, hein. Non, mais les voilà. Les plus beaux. Calme-toi, madame. Je suis désolé, Arthur il fait trop rire quand il intervient comme ça. Ah c'est ça, c'est Bertram qui s'appelle. Ça va partir en truc majociste. Mais non! C'est gentil, il est gentil Bertram en plus. Il a une tête bizarre mais il est gentil. Oh le pauvre, c'est horrible! Il fait trop de la peine. Je vais péter la gueule, donc calme-toi quand même.
Il va éclater les ampoules, cet abruti, mais il y a un escalier à droite, hein. Ah, où dit les pieds tendres? Salut, Persalis, tu vas bien? Oh, le pauvre! Oh, mais le pauvre! Mais le tape pas! Ça va tranquille, écoute, hein. Mec, il est en train de lui faire une prise du Great Kali, ouais. C'est ça, le Vice Gripe. Oh yes, la passe partout. Pardon, excusez-moi, réflexe. Hornswoggle, oh de ouf. Non, j'ai fait la blase avec Passepartout tout à l'heure quand on courait, moi. Le mec, il est mort au milieu, hein. Que fait Finlay? J'aime bien, ce que toi, t'as des bonnes rêves de catch, ça me plaît. Mais il est pas mort, Finlay? Non, il a des gros problèmes de santé, je crois, Finlay. Non, il est mort, Finlay. Ah non, il est pas mort. Non, c'est pas lui, je confonds avec un autre alors. Pardon, my bad. Héros d'agent. Ok. Je savais pas du tout. Je sais que David, Dylan, il est... Enfin, Swaggle, il est à... Il fait un peu de tout en ce moment. Il est à... Il est à... Pourquoi elle est à poil? Attends, j'ai pas compris. C'était éclaté comme spectacle, hein. Et le mec au milieu qui est mort. Mais ouais, je sais qu'Hornswoggle maintenant, il est souvent à Impact et à Ring of Honor des fois. Oh, les chomblères! Les tchouches! Moi aussi, je suis fan de catch. Ah, dis-moi, quel est ton catcheur préféré alors? Je saurais même pas dire c'est qui, moi. Si, je saurais aimer. Well, tiny people and tiny-headed giants, curious things. They are a delight and can make you money. Si, je pense que je pourrais dire qui est mon catcheur préféré, mais... Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je sais pas. Je sais pas s'il est toujours aussi cool. Enfin, aussi bien. Et en plus, apparemment, c'est un gros con, donc ça me saoule. Truly the most exotic of places in the world. He was just... A 10-year-old boy. I raised him. I bathed him. Bon allez, Nicolas Aglagas là. Oula. Nicolas Aglagas, non merde, comment il s'appelle? Nicolas Aglagas, allez, dépêche-toi. A wonder to behold, presenting Benjamin Lazarus. Allez, un truc bien. Great Kali, John Cena, Undertaker. J'adore Great Kali. Sur Instagram, c'est vraiment une masterclass à chaque fois qu'il poste un truc, lui. Même sur son TikTok, d'ailleurs. Il me fait trop rire, ce mec. Il a l'air tellement gentil, en plus. Undertaker qui a présenté un concert de Pitbull récemment. Et ça me fait rire. Moi, tu vois, genre, si on parle de ça, je pense que je dirais mon catcheur préféré en vrai, c'est Will Ospreay. Mais vu qu'il a, il a changé de catégorie de poids, il va plus être aussi aérien qu'avant et ça me fait peur, quoi. Will Ospreay, c'est vraiment le GOAT pour moi.
I joke. I assure you, he has met his maker and they are playing gin rummy among the molten lava of Hades. I have traveled all Itachi. I know he's sexy. Sexy boy. Ouais, HBK, bof. Il ressemble plus à... Ouais, non, je sais pas. C'est pas mon truc. Ok, tu vois, tu cours, putain, sa taille... Bah après, j'ai envie de dire n'importe quel catcheur, tu vois sa carrure et tu cours. Hein. Il y en a beaucoup, crois-moi. Même s'ils ont pas l'air, ils sont bien. Hein. Pour en avoir rencontré quelques-uns quand j'avais été à voir la WWE à Paris. On peut pas le voir d'ici. J'ai mon petit pass d'accrocher ici parce que je suis trop fier de ce truc-là. Du coup, j'en avais rencontré 2-3, tu vois. Mais ouais, non. Pour en avoir vu, crois-moi... J'ai fait tomber un morceau de cure, non? Attendez. Ah voilà. Allez, un accident. Randy Orton, c'est le catcher préféré de ma mère. Juste parce qu'elle a envie de le pécho. Ce qu'elle dit, c'est un beau jeune homme quand même. Hein. Randy nous, elle l'appelle. C'est pas ouf, hein, le spectacle. Hein. C'est pas incroyable non plus. Il va claquer, là. Pourquoi il n'y a plus de points de chaîne? Ah bon? Comment ça, il n'y a plus de points de chaîne? Bah, je les ai encore, moi. Silence et joue et mettre mon niveau, mon message en avant, moi. Ah, putain, attends, faudra que je regarde ça après. Parce que c'est des points de platane. Très marrante la blague de menuiserie. Mon amour, il est fan de catch. Ah bah comme quoi, hein. Les grands esprits se rencontrent. Hein. En vrai, je dis je suis fan de catch, mais je regarde quasiment plus parce que ça me gonfle. Hein. Bah pourtant, ils sont activés les points de chaîne. Attends, je désactive et je les réactive du coup. Je les ai même appelés des points de beau gosse. Are 100% real. In fact, I challenge any member of the audience to come forward with Merde. Their own firearm, and I will yet again display my uncanny skill. Voilà, j'ai changé le nom des points de chaîne. In my teeth. Is no one man enough? Come on, someone stand up and take a shot. Merde, j'aurais dû, j'ai pas vu. J'aurais dû m'avancer, j'ai été con, j'avais pas regardé. Voilà, j'ai changé les noms des points de chaîne. Du coup, j'ai rien regardé. Mon amour est fan de K, dans ça tu m'as déjà dit. Il a déjà été aux US. Il a déjà été à la WWE plusieurs fois aux US. Ah, c'est cool ça! Il n'a pas regardé depuis très longtemps. Je ne regarde plus la WWE. Je me suis lassé de leurs produits. Essaye un petit F5 peut-être, Banane, parce que moi je les ai, donc je sais pas comprend pas pourquoi tu les as pas toi. Attends, je vais revoir, je vais revérifier au cas où. Excusez-moi. Ouais, moi je les ai encore. Hein. Peut-être un petit F5. Vous les avez les autres ou pas les points de chaîne? Dites-moi. Ah, t'es sur téléphone! Ah, bah c'est peut-être pour ça du coup, peut-être que ça marche pas sur téléphone. Mais ouais, comme je disais, Sinistra, je ne regarde absolument plus la WWE parce que je me suis lassé de leurs produits. Et je trouve que ça pue la merde maintenant, la WWE. Donc maintenant, moi je regarde la AEW, Ring of Honor, Impact Wrestling, la NJPW, j'essaie de m'y mettre. De regarder plus souvent, je veux dire.
Qu'est-ce que je regarde d'autre? Après, je regarde un peu ce qui traîne niveau catch indépendant. Je suis toujours plus diverti par ça que la WWE, en fait. Ça me gonfle, la WWE. Ils font que de la merde. NXT, c'est devenu une chiasse, mais incommensurable. Merde. Ouais, je les vois, les points de chaîne. Ah bah, du coup, c'est parce que t'es sur téléphone, banane, je pense. Oh, les gros bouffes. Mais attends, on l'a déjà vu, ça, non? Partirait à la fin du spectacle, hein, je préviens, par contre. Mais ouais, genre, vraiment, la WWE, je peux vraiment... Puis j'ai fait une surdose et je trouve que c'est vraiment de la merde, mais partout, maintenant. Même NXT UK, je regarde plus, alors qu'on a une Française dedans. On devrait être fiers, mais non, même ça, j'arrive pas. Même pour cette raison, je me force pas à regarder. Maintenant, je me concentre sur les produits qui me plaisent et que je sais où je suis pas déçu. La AEW, en fait. Et parce que moi, ça me fait gaulerie du fait que la AEW, ils font tellement mieux que la WWE, c'est incroyable, quoi. Ils font mieux que la WWE avec beaucoup des mêmes personnes, en plus. Genre, des mêmes personnes qui étaient chez eux avant. Donc, c'est comme quoi, c'est quand même vraiment juste... C'est pas un problème de catcheur, hein, c'est un problème de booking. Bref. Et d'ailleurs, j'ai pas rattrapé Dynamite de cette semaine, que de la semaine dernière, faudrait que je le regarde, tiens. C'est chiant, non? À l'époque, ça devait être impressionnant, mais on a tellement été habitué à ce genre de truc que pour nous, c'est même pas impressionnant, en fait. En fait, c'est plus ou moins le plus grand. Je sais pas si vous avez la ref de ça. Je suis trop vieux ou vous avez la ref? Non, je pense que je suis trop vieux. Enfin, je suis trop un boomer pour ça, je crois. Eh, ça passe super bien avec ce qui se passe à l'écran, par contre. Non, vous l'avez pas. Rassurez-moi, je me suis dit, moi, que vous l'avez. Alors, est-ce qu'il y a une intro faite par monsieur? Ça, dont l'un j'ai entendu, ça, ta gueule. Merde, attendez. Chut. Je vais juste entendre le monsieur qui dit bonjour. Bref, pardon, c'était l'ami du plus grand cabaret du monde, par Patrick Sébastien. J'ai vraiment 90 ans. Incredible, it's still hot in here, huh? Incredible, bravo. Though I must warn you, court her at your peril. She'll not nurse baby. Je suis vraiment un boomer, c'est incroyable. Thank you. Thank you. Il aime bien le catch d'avant, je me rappelle plus trop des noms. Randy Savage, Ricky Steamboat, André le Géant. André le Géant, le GOAT, le GOAT, meilleur catcheur du monde. Bon, ça me gonfle, donc on va y aller. Est-ce que... Je vais tenter, est-ce que je peux aller foutre la merde devant la scène? Est-ce que je peux faire un shooting? Oh putain, de la musique! Je retourne m'asseoir, pardon. Il y a de la musique, en fait. Il y a de la musique, il y a de la musique. Vous êtes prêts pour la musique ou pas? C'est le cancan, on l'a déjà vu. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, Sinistra, justement. T'es sûr? Bah, on va voir, écoute. Hein. Au pire, j'aime bien le cancan, donc ça me dérange pas de le revoir, mais on va voir, du coup. Il me semble qu'il y avait qu'elle, il y avait pas... Je sais pas. Ça me dit rien, ça.
inventor of the telephone. A telephone. Someone is always calling, saying, hello. Hello. C'est une référence à Adèle ou pas? Oh ouais! Non, on l'a pas entendu celle-là. Ah mec, c'est trop bien! Oh, je kiffe. Hello my heart and girl. C'est pas anachronique un peu par contre. Parce qu'il me semble que c'est plus vieux cette musique. Ah peut-être pas non. Après c'est peut-être la même meuf mais dès qu'elle chante autre chose du coup. Hello my baby. Hello my honey. Hello my ragdam girl. Elle date de quand cette musique? Oh putain si. Ah elle date? Non non elle date, ok. 1899, donc non c'est d'actu. Ok. Comment elle s'appelle? Robin Konieski, si elle existe. Est-ce qu'elle est inspirée de quelqu'un? Attendez, je vois si elle est inspirée de quelqu'un. Non, ça a pas l'air. Non, elle a pas l'air inspirée de quelqu'un. Tu la meuf qui chante? Bah non, pourquoi? Elle chante bien. Bon, allez. Le gros con avant de partir. Attends, je me prépare juste au cas où il y a un truc bien, mais tu le pianiste. Pourquoi? Pourquoi tu veux que je tue tout le monde? Bon, c'est chiant, allez. Allez, on s'en va. C'était sympa. Allez, on s'en va. On a des missions à faire, nous. C'est pas tout, mais c'est pas tout. Hein. Du coup, on va aller faire la mission de Aigle qui vole. Hop. Oh! Oh, de l'argent, c'est bien de tuer des gens. D'accord, Anders Breivik. Qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Quelle adorable surprise. C'était tellement, c'est tellement aimable d'être. Merci, j'espère que ça vous a plu. Le public monte parfois difficile, les garçons. Ils sont tellement excités de savoir qu'ils vont le voir d'une façon. Merci. Voici nos pâtes et des recettes. Putain, la vache, trop sympa. Bon, 40 balles. Pff, tranquille. Bon, allez. C'est parti, allons-y, allons-o, comme on dit. Je vais me TP. Parce que flemme. Bonjour. Evening. C'est par là-bas. Je vais me TP parce que la flemme d'y aller à pied, là. Enfin, pied, en cheval, quoi, mais à pied, du coup, je me comprends. Ah. Je vais donner de l'argent. Parce que je suis quelqu'un de très gentil. Anything to spare for a blind man? Oh, thank you, sir. Truly, thank you. It means a lot to me. Aïe! Oh, gros con! Et mon cheval qui me chie dessus, j'en ai trop marre. Vraiment un pays de cons, les États-Unis, hein. Non, on va pas voir Dutch, on va faire la mission de Aigle qui vole. Pourquoi je ne peux pas me TP? Pourquoi je peux pas me TP?
Oh, t'es sérieux, pourquoi? Bon. Bah, allons-y à pied. C'est parti. Bon, ça va, c'était marrant, le... c'était ma... Putain, il y a un autre théâtre ici, en fait. C'est lequel, lui? Bah non, c'est le même. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Ah tiens, on ira voir celui-là après, tiens. Une autre fois, du coup. Je suis très curieux, j'ai jamais été voir les théâtres quand j'ai joué tout seul au jeu. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my heart and gun. Oh, attendez, je sais ce qu'on va faire. Pendant qu'on se promène, on va mettre ma playlist western. C'est pas ça. Parfait, là on est bien. Je vais mettre dans une bonne tenue adéquate. Il fait quoi le temps là? Il fait quoi? Il fait froid ou il fait chaud? C'est trop fort là, non? C'est trop fort, attendez. Voilà, parfait. Là on est bien. Allez! Bon d'ailleurs, santé, j'ai soif. Allez, mets un truc, genre mets Outlaws après, allez bien. Et pour le RP, voilà. Non, c'est de la merde. Je sais qu'une fois j'avais fait une partie en online avec des copains, et ils m'engueulaient parce que je mettais tout le temps la lampe torche. Enfin, la merde, la torche à la main parce que je trouve ça trop RP. Et j'aime bien jouer RP. Allez, on s'arrête pas, on va voir Règle qui vole et on s'arrête pas. Et on laisse les musiques, bien sûr. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. Ok, c'était très étrange comme rencontre. On se fait engueuler et elle s'en va. Bah, dis-moi pourquoi tu m'engueules au moins. Hop, lecture aléatoire. Non, lecture aléatoire, j'ai dit, tu me fais pas une lecture aléatoire. Voilà, parfait. Parfait. Arrête de suivre les routes, tu gagneras du temps. Bah ouais, mais c'est bien de suivre les routes quand même aussi. Oh, elle est bien celle-là. Oh, c'est lourd ça. J'ai envie de le refaire en stream ce jeu, mais je l'ai déjà fait donc c'est nul. Oh, les petits sangliers! Oups, je lui ai fait mal. Oh la vache! Comment c'est trop bien ma playlist! Vraiment le meilleur truc pour ce jeu, quoi. J'espère qu'on va tomber sur les petites rencontres sur le chemin. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Je suis content bah, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je merci d'être là. Ça me fait plaisir. Je vais me refoutre un peu dans mon siège, là. Ah, voilà, parfait.
Les gens qui arrivent maintenant, ils doivent se dire que c'est pas RDR2, ça. Enfin, c'est pas la musique du RDR2. Mais la musique du sanglier. Le sanglier. Je vais pas prendre de risque de, mettre des trucs qui pourraient me foutre dans. Me supprimer ma rediff. Je connais pas, c'est pour ça que je dis ça, mais je sais pas si c'est copyright ou pas. Je préfère éviter les gouffres, si, je sais pas si c'est copyright ou pas. Ça, c'est moi qui ai fait la playlist, donc je la connais. J'ai choisi que des sons qui étaient pas copyright, justement, pour éviter les soucis. Pour l'instant, j'en ai pas eu. Oh la vache! Oh, comment ça coupe brutalement, mec! C'est à moi, ça? Ah bah oui, c'est Outlaws. C'est la balade du Docteur Death. On est arrivé, de toute façon, je pense. Pas du tout. C'est juste un mec qui dit le sanglier et après tu entends une corne de corne de chasse. Ah bon? D'accord. Je connais pas, j'irai voir tout à l'heure. Hop. Oh la flemme hein. C'est bon la flemme de t'aider toi, tu me saoules hein, à force. C'est pas très western en vrai ça. Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce que j'ai ? Ça, c'est bien, ça. Pourquoi tu tournes? Arrête de tourner! Tout droit! Ah merde! On est arrivé. Bon, voilà, j'espère que cette petite balade vous a plu. Allez, aigle qui vole. Tu es là. Bonjour. Bah, en même temps, bien sûr. His name is Danbury. Is the files in the office. Oh mec! Oh la moustache avec cette tenue, ça lui va trop bien. If the files are as incriminating as we believe, Mr. Cornwall's men will destroy them if they know you're coming. There's only one of me. Oh putain, il est trop stylé, mec. J'adore les hommes à moustache. Vous savez que j'hésite vraiment à me raser le bas hein, et garder juste la stache. Hein. J'hésite vraiment. You could crawl under the fence or hide in a wagon. They keep rolling in. I'll go take a look. If there's a problem, call for me. Mais je pense que ça m'irait pas. Was that this had nothing to do with you? Ideally. If you are quick, you could climb into the back of that wagon. Otherwise, you'll have to sneak. Il est beau comme un camion. Ah, il est beau comme un moustachu, ouais. Parfait. Infiltration, attention. Hein. Infiltration sans arc. Je suis un viewer de l'ombre ce soir. Oh, coucou Doueli, pas de soucis, t'inquiète pas, j'espère que tu vas bien. Excusez-moi, je suis en train de lire les goals de quelqu'un sur pour le Z-Event. Hey, Tom. Picking up. Yep. Je reprends la clope. Okay. Better get a move on, comme je disais, il y a eu des meilleurs jours, mais je suis en train de streamer, donc disons que tout va bien.
Puis vous êtes là. Donc ça va du coup. Demain, faut que j'aille acheter des cure-dents. Regardez. J'ai plus que ça. Je vais en manquer dans... On aurait pas assez pour demain soir, là. Allez, c'est parti pour l'infiltre. C'est parti pour l'infiltration. Alors, faites des paris. Est-ce que je m'infiltre ou pas? Est-ce que j'y arrive ou pas? Est-ce que vous pensez que je me fais repérer ou pas? En vrai. Clairement pas. Quoi, clairement pas je me fais repérer ou clairement pas j'arrive à m'infiltrer et tout... Full repéré. C'est sympa d'avoir des gens qui ont confiance en soi. Hein. Au pire, j'ai ça. Hein. Oh bah tiens, attends, je vais les nettoyer en arrière avant d'aller plus loin. C'est pas moi qui ai rajouté la musique, hein, c'est la musique de base. Hein. On va faire préciser parce qu'on dirait ma playlist pour le coup. Tiens, attends, pour plus de massacres. Moi, je suis certain que j'arrive à m'infiltrer impeccablement, regarde. Ça se passe... Je vais gerber, ça se passe super bien, là, pour l'instant. J'ai envie de pisser, mais ça se passe super bien. J'ai de ouf envie de pisser, au secours. Qu'est-ce que je fous là, moi? Qu'est-ce que je fous là? Eh! Mais tu es des gens et ça c'est bouillant. D'accord, donc ok, Banane est définitivement un tueur en série. Je sais pas ce que je fous là en fait. Elle est bien la musique, par contre la musique qui passe c'est vraiment cool, j'aime bien. Qu'est-ce que je fous là, mais... Il n'y a pas d'entrée par ici. Je viens de voir la porte là. Putain, c'est pas une porte, j'ai envie de me tabasser les boules. Aïe, chut, Arthur. Ta gueule, Arthur. Faut que je le bute, lui. Je le bute. Je vais le mettre là-bas. Je vais le poser là-bas par terre. Hop. Dégage. Hop. Ah, je peux monter par là. Ah, je peux rentrer par cette fenêtre 100%. Hein? C'était une mission timée, donc... J'ai envie de me tuer. T'as mis trop de temps. Mais je l'emmerde, le jeu. Je fais ce que je veux. Putain. You could climb into the back of that wagon. Otherwise, you'll have to sneak past the guards. Envie de me foutre en l'air un petit peu, hein.
Et lui, il m'entend pas. Bon, tu me diras, il y a un train qui passe devant lui. Vous savez quoi ? Je vais pisser, je reviens. Je vais vous mettre un petit peu de musique. S'il y a des gens qui arrivent maintenant, évidemment, dites-leur que je suis parti pisser, en fait. J'arrive tout de suite. Et me revoilà pile poil à la fin de la musique. Ça s'appelle un très très bon timing. On y retourne. Allez, j'espère que je ne vous ai pas manqué. Ah oui, c'est vrai. Je suis con, pourquoi je me préparais à jouer? Ça va vous sinon, racontez-moi. Qu'est-ce que vous faites de beau en cette belle soirée de lundi? On n'est pas du tout lundi, on est mercredi. On est jeudi. On est mercredi, qu'est-ce que vous faites en cette belle soirée de mercredi? À part me regarder. Bien sûr, sans prétention. Bien sûr. Pas ouf. Raté, à côté, c'est pas grave. J'ai les yeux qui piquent. Oh, ma pauvre petite sinistra. Eh bien, va te coucher. Enfin, va te coucher. Faut que tu sois en forme pour samedi, quand, pour me venir me voir me chier dessus. Hein. Oubliez pas, samedi, 20h, stream d'Halloween, Alien Isolation. Je le ferai. Enfin, on commence à aller une isolation parce que du coup, je le finirai bien sûr. Mais voilà, voilà. Ça va être bien, ça va être bien. Un crocodile, une vache, du soleil. Un bleu sourire, un beau sourire au bout des lèvres. Je sais pas pourquoi j'ai cette saloperie dans la tête. Ça me saoule. Un oiseau, un enfant, une chèvre. Mais la version hardcore, tu sais. Bon, du coup, je vais y aller sans le buter. J'ai mon arc! Ça va être plus facile. J'aurais pas dû, ça. J'aurais dû attendre un peu. J'ai mon arc ou pas? J'ai mon arc. Ça va être mieux, vous allez voir. Putain, il y avait une porte ici. Putain, j'en ai marre. J'en ai marre, hein. Marre d'être con. Va dehors, va fumer un coup. Mais Sinistra, n'hésite pas à aller te coucher, hein, tu sais. Reste pas là pour moi, hein, tu sais. C'est adorable, hein, mais je préférerais que tu te reposes. Hein. D'accord, ok, pardon maman. Je vais me faire engueuler, très bien, on note.
Un oiseau, un enfant, une chèvre. Un sourire, un bleu sourire au bout des lèvres. Un crocodile, une vache, du soleil. Et ce soir, je m'endors au pays des merveilles. Un oiseau, un enfant, une chèvre. Pardon. Je pète un câble, il est tard, je pète un câble. De toute façon, je pense que je vais pas tarder à couper en vrai. Dolly a récupéré Silence et Joue. La force qu'il faut pour ramener quelqu'un comme ça, en vrai. Je le tabasse, hein, je fais comme en vrai, hein, je torture. Hein. Je suis pas gentil, hein, c'est un O'Driscoll. Hein. C'est un O'Driscoll, on le torture. Hein. Oh l'horreur! T'es mal à moustache! Pardon. T'es mal à taille de la stache. Vas-y, joue au con. Joue au con. Sors une arme, vas-y. Échanger chapeau. Voir ton chapeau, il me donne comment sur moi? On dirait moi en fait, du coup, donc non. Ah bah c'est gentil hein. Tu vois quand on demande gentiment. Stay quiet. Or head office will send me back to get you. Donc t'es vraiment un tueur en série en fait, Banane. J'ai fait ça pour pas qu'il gueule, hein. Et merde. Abruti. Et putain. Ça peut pas bien se passer, hein. Dommage, je l'ai raté, lui. Bon, vous savez quoi? On va pas faire dans la finesse. Nos finesses ce soir. On se casse. Oh la vache. Il a vraiment une portée de ouf le fusil à pompe, c'est incroyable. Allez vite, on se casse! Bon bah parfait! Bah ça se fait, écoute, ça se fait tranquillement! Ah! On a des copains! T'inquiète, on n'aura pas des copains très longtemps! De quoi, qui ça? De quoi tu parles, Sinistra? J'ai pas tué les chevaux, Sinistra. J'ai pas tué les chevaux. Où ça?
Ah d'accord. Ouais, trop dark. Ouais, trop dark. Je suis sûr que monsieur écoute du Dark Throne et du Borzoom. Je dis ça parce que j'en écoute, hein. C'est pour ça que je dis... Je vanne, non mais j'en écoute, hein. Merde. Faut que j'aille acheter les cure-dents, c'est pas possible. Oh la moustache, mec, je kiffe. Well, I don't know what I hope, but who knows? Maybe these will be of some use. Here's your money. Thank you. C'était trop bien. C'était vraiment trop cool. 262 balles. Ah non, 137. Oh, putain. Les impôts, hein. Faudrait que je parte à Malte, moi aussi, hein. Je vais pas arrêter de le vanner, l'autre connard de légende Malte, hein. Je vous préviens. Hein. J'allais dire connard, oui. Bon, je le pense un peu, mais... Tiens, il y a une mission là-haut, on va y aller, tiens. Voilà, je pense qu'on va faire la mission en haut à droite, là, en haut de la map, et après, je couperai, je pense. Un crocodile, une vache, du soleil... Putain, tu vas la fermer ta gueule, moi-même. J'en peux plus. Même moi, je me saoule. Bon, allez. Combien d'accidents sur le chemin? Je parie sur un, moi. Je sais pas, à un moment, je vais me prendre un arbre ou une connerie. Je sais pas, je le sens. Ou alors, je vais me faire attaquer par des cons. C'est possible aussi. Un crocodile, une main... Mets le sanglier pour le trajet. Bon, allez, je vais te faire plaisir. Comment tu dis le sanglier? Attends, j'ai déjà ouvert une nouvelle page. Le sanglier. Musique. Oh, mais je connais ça! Le sanglier. Je connais déjà. Je connais. D'accord. Ouais, je connais. C'est marrant, la vidéo, j'avais déjà cliqué dessus, c'est marrant. Donc je la connais, en fait. Eh ben, bon courage, poteau. Bon courage. Ah, t'auras pas fait le trajet pour rien, je te le dis, moi. Tiens, d'ailleurs, putain, faut que j'en parle, enfin, on s'en fout, mais... Dans notre jardin, on a des bambous qui ont été installés par les anciens proprios, du coup, pour recouvrir, pour planquer des autres maisons derrière. Et il y en a qui étaient très vieux, il y a beaucoup de morceaux qui sont tombés. J'en ai récupéré deux ou trois. Je pense que je vais en faire quelque chose, je les ai mis dans un coin de ma jambe parce que c'est, ils sont putain de résistants. Donc je pense que je vais en faire quelque chose. Voilà, ça m'y fait penser, moi de banane, mais... Mais ouais, j'ai récupéré des morceaux de bambou et putain, en fait, c'est super résistant, ces conneries. Je me rendais pas compte, moi. Genre, j'ai essayé de le fracasser contre un arbre, je l'ai pas cassé. Pourtant, j'ai mis toute ma force, hein. Donc, ouais, je vais en faire quelque chose de ce truc-là. Je pense que je vais essayer de faire une garde ou un truc un peu stylé. Ça m'entraînera au bricolage un petit peu. Il faudra que j'essaie de réparer la hache aussi. Une arme pour tuer des gens. C'est du bambou, hein. C'est pas un sabre laser, hein. Oh, ça pousse comme du champi et ça demande zéro entretien. Ça demande pas beaucoup d'eau par contre. Il me semble que ça demande énormément d'eau les bambous, non? Je crois. Non, je confonds peut-être alors. Mais je sais pas, j'ai entendu mon papy qui est un expert en tout ce qui est nature et agriculture dire que ça a demandé beaucoup d'eau. En été surtout apparemment. Et que ça tombe très très vite aussi également. Eh, ils font des bruits bizarres les animaux, hein. Je sais pas, mais chez nous c'est une vraie plaie parce que ça arrête pas de pousser. Ah ouais? D'accord, ok. Bah déjà, demain je prendrai la serpette et je vais en couper quelques-uns parce que c'est, ils sont trop... Enfin, ils sont trop, il y en a trop d'abîmés par terre et du coup ça bouche en fait. Donc, demain faudra que je mette des petits coups de... C'est une énorme serpette en fait, mais vraiment gigantesque. J'ai essayé de couper, j'ai coupé l'arbre aujourd'hui, enfin j'ai coupé des putains de troncs aujourd'hui avec. Tellement elle est résistante et tellement elle est trop bien et coupe super bien.
Mais faudrait que je coupe le bambou du coup, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup trop et ça gêne un peu quand même. Et comme ça, je pourrais récupérer d'autres bâtons pour essayer de faire un truc, de bricoler un truc un peu stylé. C'est marrant parce que dans ma chambre, quand tu rentres, il y a... À l'entrée, à droite, t'as un katana. Oui, bon, Vogel. Je l'ai gardé de quand j'étais plus jeune. Parce que je me souviens de ma première Japan Expo. Donc en 2011, donc j'avais... 10 ans. Non, 11 ans. J'ai quoi d'autre? J'ai un bâton de marche, parce que j'aime bien. Deux bambous du coup. Là, au-dessus, juste là, j'ai une batte de baseball. Et à côté de mon lit, j'ai un bâton. Voilà. Sympa hein, ma chambre, hein. C'est une armurerie en fait. Et là-bas, j'ai mes répliques d'armes aussi également. Mais ça, je les accrocherai pas dans mon décor parce que Twitch, ils ont du mal avec les armes. Malheureusement. J'ai pas envie d'avoir de soucis. Malheureusement, j'aurais bien aimé avoir ça dans mon décor, mais malheureusement, c'est pas possible. Un crocodile, une balle. J'ai une arme en cas d'apocalypse. Alors après, en cas d'apocalypse, crois-moi, la batte de baseball, moi, elle casse direct. Hein. La batte, c'est une merde, c'est un truc acheté à Babou, hein. Enfin à Gémeaux, hein. À Decathlon plutôt. Tu as pas d'argent, je vais venir acheter chez toi. Il y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais celles que j'ai sont à moi, quoi, disons. Puis de toute façon, aucune arme n'est autorisée, à l'exception du corps humain. Philosophie. C'est quoi qui me court après? Il y a un truc qui me court après. Au secours, il y a un truc qui me... Bonne nuit, Dwelly. Gros bisous à toi. Merci de passer, poteau. Et celui-là, il est pour toi. Bon, en même temps, il m'attaque. Sinistra, c'est pas ma faute. Gros bisous, Adoui. Je te gnoque, comme on dit. Horrible. Est-ce que tu me gnognes? Quelle horreur. Putain, cette vidéo, mais... Ah! Tu me l'envoies par la poste. Je vais le poster demain, parce que demain, il faut que j'ai récupéré un recommandé. Donc, j'en profiterai pour demander à poster un bisou à Adoui. Pourquoi la quête a disparu? Je vais me tuer, en fait. On va faire ça et on va dormir. Ça me gratte. Une espèce de masse en bois que mon amoureux avait faite quand il était chez les scouts. Oh, c'est cool, ça. Bah, justement, j'ai un truc un peu dans ce style. C'est un espèce de gros bâton, mais vraiment très court, qui pourrait vraiment servir de matraque. Mais faudrait que j'en fasse quelque chose d'intéressant. Mais le problème, c'est que, bah... C'est faut le faire, quoi. Je sais pas trop comment le faire. Faut que je le ponce et tout. Et ça me saoule, parce qu'en plus, il est super bien équilibré. Genre vraiment, tu sens vraiment que c'est lourd vers la pointe et pas trop vers le bas, tu vois, enfin c'est sympa, quoi. Du bois plein. Ouais, bah ouais, voilà, bah, c'est pareil, c'est du bois plein, tu vois. Ah, faut que je parte. Je vais me faire attaquer. Bon, bah j'ai pas la mission. J'ai pas la mission, donc bah finalement, je pense que je vais vous laisser là. Hein. Non, j'ai pas coupé mon camp. Attendez, vous savez quoi? Ils veulent m'attaquer. Très bien. Mais ils ne savent pas qu'ils sont sur mon territoire. Ils sont sur mon territoire, ces ordures. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Crois-moi, je vais les attraper, ces fils de pute. Ils vont regretter de s'en être pris à moi. Ils sont là-bas. Non, c'est une dinde, ça. Ah, le taré, quoi. Les rangers sont là-bas. Ah non, c'est une dinde. Mauvaise touche. Qu'est-ce que tu fais, Arthur?
Ah non, je mettrais un petit kit d'autodéfense portable histoire de. Moi, j'ai envie de commencer le tir en club de tir du coup. Le tir en stand, tu vois, donc bah. Le tir avec des armes du coup. Donc ça va niveau autodéfense. J'ai même été dans une armurerie récemment avec un copain qui voulait s'acheter un fusil à pompe. Et oh putain mon gars, il y avait des armes à poudre, tu sais. Donc des colts, etc. Et j'étais en mode, ah oh, on peut tirer avec ça. J'étais en mode, je veux. Mon pote m'a dit, ah je savais que ça allait te plaire. Pareil, il faudrait que je m'achète un beau schlass pour exposer chez OM. Oui, j'aime bien les armes. Pff, pas de souci avec ça, moi. On va redormir un peu. J'espère que la quête va réapparaître, parce que j'ai été peut-être un peu lent pour la faire, pour y aller. Bon, et bah du coup, en tout cas, je pense qu'on peut confirmer que ma connexion est suffisamment bonne pour streamer. Donc je suis très content, moi. C'est même mieux qu'avant, en fait, donc je suis content. Putain, il y en a d'autres, t'es sérieux, je vais me foutre en l'air, j'en ai marre. Putain, il y en a d'autres. Moi aussi, j'aime les armes. Alors, c'est marrant, mais je pense que t'as pas besoin de me le dire, je l'aurais deviné, ça, tu vois. Étonnamment, hein, étonnamment. Surtout quand elle tue. Après, une arme qui tue pas, c'est pas une arme, hein. Ça s'appelle un jouet. Hein. Par contre, doucement. Enfin, genre, c'est drôle, mais doucement, les... Je prends un taser, j'ai de lacrymo. Bah après, lacrymo au moins c'est pas illégal, mais t'es pas sûr de t'en sortir, enfin t'es pas sûr de calmer la personne quoi. Tu peux quand même te manger un gros pain dans la gueule, même si t'as mis un lacrymo à quelqu'un. Je sais de quoi je parle, hein, mais dans mon lycée, y'a tout le monde qui se foutait sur la gueule et ça balançait des lacrymo et ça se battait quand même. Hein. Bon, et bah tant pis, pas de truc. Bon écoute, on va aller voir lui là pour lui vendre la peau de cougar et après je vais vous laisser là. Un oiseau, un enfant, une chèvre, et le sourire, un beau sourire au bout d'elle. Oh la viande! Oh la vache! Attends! Mais ouais, mais moi il y a un truc que j'aimerais même m'acheter, c'est déjà un taser, j'aimerais bien, parce que j'aime bien, en fait j'aime juste le bruit du taser, en fait je sais pas pourquoi, mais c'est ultra chelou, mais j'aime bien, tu vois, le moi j'aime bien, et j'aimerais même m'acheter une petite matraque télescopique, quoi, parce que c'est quand même vachement pratique, hein, mine de rien, et en plus, putain, genre, pour en avoir déjà pris un coup dans la gueule, ça fait mal, hein. Oui, j'ai déjà fait des manifs. On va pas parler de ça, mais... Mais à une période, je faisais des manifs. Je me suis déjà pris des coups de matraque télescopique dans la tronche, et crois-moi, je m'en rappelle. Hein. J'étais jeune, donc ça arrivait, ça forge l'esprit comme... T'es pas facilement accessible. Hein. Bah monsieur. I just don't want him to see me. We're not friends anymore. We're not. They won't forgive you. They didn't forgive me. There is no forgiveness. T'es pas prêt, tu parles fort. None, friend. None. Juste pour le RP. Ah, je veux pas, d'accord. I know you want it. I can smell it. Oh, je pense que t'as juste un humour un peu spécial. Banane, y'a pas de mal avec ça. It didn't happen. No, it didn't. Oh putain. Oh, il y a un moustique qui est en train d'essayer de me picorer la main. Me piquer la main. Picorer.
Brutti. I never sleep. I never do. D'accord. Eh ben, faisons comme ça. Faisons comme ça. Un oiseau, un an. Un oiseau, un enfant, une chèvre. Le bleu sourire, un beau sourire au bout des... J'en ai marre de me casser la gueule, hein. Ah, je me casse la gueule. Vous connaissez cette vidéo ou pas? Oui, vous devez connaître la vidéo. Les flics qui sont dans l'embarcation pendant une inondation et t'as un flic qui fait... Ah, je me casse la gueule. Non, c'est... merde. Non, c'est le flic... Non, c'est le mec au-dessus de l'autoroute, là. Comment va notre apprenti cowboy préféré? Eh ben, écoute, Imhotep, hein, il va plutôt bien. Il va plutôt bien, il se... Il va bien. Je crois. Le cheval, moins. Mais moi, ça va. Ah, j'en ai marre. Hein, j'en ai marre de ma vie. Sinistra qui fait une référence à Pirates des Caraïbes 2 sans faire exprès, je suis sûr. Tu dis, n'a aucun sens. Faut d'abord trouver la clé! Ce que tu dis n'a aucun sens. C'est sûrement les Français. Comment ça sans faire exprès? Ah pardon, c'était fait exprès! Pardon, excuse-moi. Pardon. Ça se sentait pas comme une ref en fait. Pardon, excuse-moi, elle va m'engueuler. Pardon. Pardon, pardon. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi, ça va? La famille? Imhotep? Qu'est-ce que tu me vends, toi? Montre-moi, qu'est-ce que tu me vends? Douterais-tu de mes capacités en termes de ref? Non, j'ai pas dit ça, Sinistra. J'ai juste dit que dans le contexte, je pensais pas que t'étais dans le mood pour faire une référence à Pirates des Caraïbes 2. Et je pensais pas l'avoir, d'ailleurs, donc laisse-moi être fier, s'il te plaît. Ok, j'ai rien du tout. Ah, si, non, ça, on s'en fout. Ok. Je sais pas ce que vous voulez faire. Ah, oh! Non, j'ai l'air con. J'ai l'air con avec ça. Je crois que ma tenue préférée, c'est celle-là. En vrai, je trouve ça trop stylé. Ah, celle-là, elle est bien aussi. Ouais. Excusez-moi, je regarde juste si j'ai un truc. Celle-là aussi, elle est bien. Ah, je vais gerber. Celle-là aussi, elle est bien. Bon, elles sont toutes bien. Vous savez ce que je vous propose pour qu'on continue un petit peu de discuter? On va retourner à Shady Bell et après, je vous laisserai une fois qu'on sera là-bas. Je vous enverrai chez les copains s'ils sont encore en stream. Après, il est tard, donc je pense qu'ils ont fini. Ah, peut-être pas. Je sais pas, on verra. Au pire, j'essaierai de vous envoyer chez quelqu'un. Un oiseau, un enfant. Tiens, d'ailleurs, Sinistra. J'ai oublié ce que je voulais dire. Bah, du coup, rien. Fausse alerte. Rejoue de l'harmonica. Rejoue de l'harmonica. Ils sont tous partis voir le film. Ah, c'est quoi le film ce soir, Taxi? J'ai pas. D'accord, ok, ça marche. Oh putain, c'est vrai qu'il y a ça à côté. Bonjour, messieurs, bonjour. What do you need? Oh, thanks for stopping, sir. Thank you. The Green Knight. Jamais entendu parler. Merci, Hades. Maybe you can help me.
De toute façon, moi, j'irai me coucher après le stream. Hein. Putain, mec, il est trop beau avec cette moustache. Arthur. I have searched everyone and everywhere 10 times over. Of course, no one. Vous me commettez dans un coin. Ça marche. Hades, bon courage. Merci beaucoup, Perseus, d'être passé. Bonne nuit à toi. Gros bisous. De toute façon, vous savez quoi, je fais cette petite quête et après je vais y aller. Je vais pas retourner à Chalibel, la grosse flemme. Mec, il est trop stylé, Arthur, regarde! Vous pensez que ça m'irait bien en vrai? Juste la moustache et ça sans? Regardez-moi bien. Sans ça, vous pensez que ça m'irait bien ou pas? Je sais pas. J'aimerais tester un jour. Pour un événement spécial. Ouais, oui, c'est bon, je vais t'aider. Un enfant, un oiseau, une chèvre, je me souviens plus de l'ordre des phrases. Hey friend. Come on. What are you doing over here? What are you doing? Eh le focaille. Genre la ATP, mais je vais pas à la ATP cette année, je vais au tribunal. C'est, tristement, je vais au tribunal, donc je pourrais pas aller à l'art to play. Je suis dégoûté, mec. Suivez l'assistant discrètement. Bah, je le suis discrètement, là. Ça marche, Sinistra. Je te fais un gros bisou. Merci beaucoup d'être passé. Pour Halloween, comme ça, tu n'auras pas besoin de mettre de masque. Aïe, ça fait mal. Ça fait des bêtises. C'est quelque chose de privé dont j'ai pas envie de parler, mais il faut juste savoir que j'y vais. Mais non, j'ai pas fait de conneries, mais c'est quand même quelque chose de privé. Et malheureusement, c'est pour ça que je peux pas. Malheureusement, je ne peux pas venir à l'art to play et je suis absolument dévasté. Voilà. De toute façon, j'ai pas assez d'argent, j'ai plus assez d'argent pour venir de toute façon, donc bon. À quel point c'était épuisant de préparer un stream. Ah bah ça, hein. Moi, ça va, je les prépare une demi-heure à l'avance, donc c'est pour ça que souvent je suis un peu à l'arrache. Un oiseau, un enfant. Il va pisser loin là, non? T'as délinqué. J'aime bien ce verbe. Non, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Hein. Juste, il faut que j'y aille, quoi. C'est même pas moi le problème en plus. Bref, après ça, c'est trop privé, ça vous regarde pas, mais. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir, c'est que bah, malheureusement je peux pas aller à l'art to play parce qu'il y a cette raison et je suis dégoûté parce que ça tombe le même jour en fait. Le 13. Gros bisous Sinistra et merci beaucoup. Salut toi. Oh. What are you doing here? Doing your friend Percy a little favor. He says one of the workers has been stealing. I reckon I just found him. Stealing? What? I'm the junior foreman here. It's them Orientals you want to speak to. Ooh. You ready to return that money you stole? Okay, okay. All right, all right. I'm leaving. The money is in the tree. Just please don't. Je peux lui péter la gueule ou pas? Il a insulté les Chinois, j'ai envie de le taper. Oh, t'as du bol. Non mais oh, gros raciste. Je laisse pas les racistes partir, moi. Non mais oh. Enculé. En plus, ils t'ont rien fait, ils bossent pour toi, gros cul. Putain, quasiment 3 heures de stream aujourd'hui, disons. Hein. Bref, de mieux en mieux à les tenir, les longs streams, donc je suis assez content, en vrai. Que ça dépend des jeux en fait. Mais je pourrais pas faire 3 heures sur Metro Exodus par exemple. Je crois que j'ai fait 3 heures hier. Mais je me comprends.
ça me gratte. Here. You're gonna need a new junior foreman, though. He just quit. Randall? Oh putain, j'aurais pu me barrer sans lui rendre, dis donc. Merde, j'aurais dû en fait. Bon, on a fait de l'argent. C'est quand le live Halloween? C'est samedi. Samedi à 20h. Je vais sur Alien Isolation. On commence Alien Isolation. Bon allez, on se casse et on sauvegarde. Bon, ça va, il m'a donné 50 balles. Avec 50 balles, je peux acheter quoi? Des balles. J'ai rien à acheter, en fait j'ai tout acheté quasiment. J'essaie de les semer, je sauvegarde. Et voilà. Bon. Et bah c'était un bon très bon stream ce soir, dis donc. Ok, je peux pas, impeccable. Faut que je parle plus loin, je pense. Mais ouais, oublie pas, hein, donc déjà demain, Batman Arkham City à 21h. Vendredi, on retourne sur Metro Exodus à 21h. Et samedi, on va sur Alien Isolation à 20h. Donc, ne ratez pas le coche, parce que samedi, je vais vraiment me chier dessus, ça va être super. Qu'est-ce que... C'est vraiment... Pourquoi je fais des trucs en mode... Ah, je vais faire un stream qui... Un stream d'horreur pour Halloween, AMDR. Je comprends pas, je suis con, en fait. Je suis juste con. Un crocodile, une vache, du soleil... Un bleu sourire, un beau sourire au bout des lèvres. C'est pas ça les paroles et je connais pas. J'ai juste envie de me tabasser les boules. Ah, ça y est, je peux sauvegarder et quitter. Oh, vas-y, on est trop loin de la grosse flemme. Hop, bon, bah voilà. Samedi, tu finis à quelle heure le live? Oh, alors là, mec, j'en ai aucune idée. Bref, vraiment, j'en ai aucune idée. Ça dépendra à quelle heure je meurs. J'ai sauvegardé, je me suis pas rendu compte. J'ai sauvegardé, ok. Non ouais vraiment j'en ai aucune idée. Peut-être dans les environs de 23h minuit pareil hein. Peut-être mis plus 23h30 que minuit quoi mais voilà. Je sais pas, vraiment je sais pas. Avant la crise cardiaque. Bah oui en fait, j'ai pas envie de mourir en fait. Hop, on va repasser en just chatting juste le temps que je trouve quelqu'un à host. Si je host quelqu'un du coup. Je vais regarder. Est-ce que j'aurais pas quelqu'un que je connais qui est en train de streamer là? Putain, il y a... Ouais, non, il y a que dalle, là. Bon, bah, je vais juste vous mettre un petit peu de musique et je vais vous laisser là, moi. Tac. Du coup, je vous souhaite à tous une très, très bonne nuit. Merci pour ce stream, c'était vraiment très, très cool. Vous étiez nombreux, en vrai, ça me fait vraiment chaud au cœur. On se retrouve demain pour Batman Arkham City, 21h. Je vous souhaite à tous une très, très bonne nuit. Gros bisous. Ciao.